3, 2, 1. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette édition Cyclo Bordeaux 2023. Je suis Jean-Charles Cateau, j'aurai le plaisir de vous accompagner en tant que modérateur et animateur de l'ensemble des conférences qui vous sont proposées dans ce cadre. Comme à l'accoutumée, c'est une tradition de Cyclo que de vous permettre de rencontrer un certain nombre d'experts sur différents sujets qui vous intéressent particulièrement. Nous allons commencer ce matin avec une première table ronde, une première conférence dont je vous présenterai les intervenants dans quelques minutes, non sans avoir entendu pour vous accueillir officiellement et ouvrir officiellement cette édition Cyclo Bordeaux 2023 et ce cycle de conférences, Jean-Claude Lasserre, président de Cyclo. Merci Jean-Charles. Bonjour à tous. Ben écoutez, ravi de pouvoir accueillir à Bordeaux, le salon Cyclo que nous n'avons pu faire depuis 2019. Donc c'est la cinquième édition. Pour nous, c'est un moment très important puisque nous sommes une association basée à Bordeaux. Donc la thématique de l'eau, comme vous le savez tous, est une thématique qui devient prégnante, qui est très importante. Maintenant, il faut qu'on trouve véritablement des solutions à travers tous les... tous les modes opératoires que peut être la gestion de l'eau. Donc voilà. Donc, je voulais remercier toute l'équipe d'organisation, tous les partenaires, tous les prestataires, tous les exposants d'ores et déjà, parce que pour nous, c'est une réussite, déjà sur ce salon professionnel. Mais également, on a imaginé également un volet grand public, Village de l'eau, qui se passe à l'heure actuelle à Darwin, depuis lundi, qui réunit sur la partie scolaire 1300 élèves du lundi au vendredi et qui va être ouvert au grand public le 25 et 26 mars à Darwin. Faites passer le mot, c'est important. Être citoyen avec l'eau, c'est maintenant une obligation. Donc voilà. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Charles. J'en dirai pas plus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus intéressantes que ce que je suis en train de vous raconter. Donc, merci à tous. Merci à la première conférence d'être présente. Et puis, belle journée. Merci. Merci, Jean-Claude. Jean-Claude Lasserre, président de Cyclo. Je vous l'annonçais, nous allons commencer avec une première thématique ce matin, suivie d'une autre table ronde, une autre conférence qui suivra tout à l'heure dans la deuxième partie de la matinée. Mais nous commencerons sans transition avec le thème de l'action internationale pour une gestion durable de l'eau, une conférence pilotée par PSO et SO Coopération, dont je vais vous présenter les invités dans quelques instants, qui s'exprimeront devant vous. Et à l'issue de ces présentations qu'ils vont nous proposer dans un instant, nous vous proposons un temps d'échange lors duquel vous pourrez interroger directement nos invités, leur poser des questions suite à leur présentation ou dans le contexte général de cette thématique. Alors aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable qui soit gérée en toute sécurité. Et d'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions où la demande en eau dépassera les ressources en eau disponibles. C'est déjà le cas dans 17 pays de par le monde. C'est pour tenter de répondre à ces enjeux que de nombreux acteurs de Nouvelle-Aquitaine s'engagent dans des projets d'accès à l'eau, des projets liés à l'hygiène et à l'assainissement à travers le monde. Et c'est pour cette raison que du 22 au 24 mars 2023 se tient en parallèle à New York la conférence des Nations Unies sur l'eau qui commence aujourd'hui, la première sur cette thématique depuis 1977, pour information. Face au changement climatique et au stress hydrique qui touche de plus en plus de pays, dont le nôtre, comme vous le savez, nous n'échappons pas à cette règle et à cette tendance générale, la question de la gestion et du partage de la ressource en eau est un des enjeux majeurs de notre siècle.
Lors de cette table ronde, nos intervenants mettront donc en lumière les enjeux de cette conférence onusienne à travers leurs différentes présentations, que nous allons commencer avec trois d'entre eux. Je voudrais inviter à me rejoindre sur scène M. Sébastien Philodeau, qui est chargé d'intervention aux relations internationales à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Madame Céline Papin, qui est présidente en charge des relations internationales Bordeaux Métropole, et M. Alioune, qui est coordinateur de l'association ACAFI. Merci, Madame, Messieurs, pour votre présence. Je vous laisse vous installer, prendre place sans protocole. Nous accueillerons, vous l'avez compris, les prochains intervenants dans l'autre partie sur cette scène. Alors, pour commencer, un point sur le Forum mondial de l'eau à Dakar et le cheminement jusqu'à la conférence onusienne de New York dont je vous parlais à l'instant avec vous, Monsieur Philodeau, avec une question générale en vue de votre intervention, à savoir pourquoi le 9e Forum international de l'eau et la conférence onusienne de Dakar semble-t-il faire date, en quoi ils sont importants dans la thématique qui nous intéresse et dans quel processus s'inscrivent ces événements en cohérence les uns avec les autres. Bouton vers le haut, on doit vous entendre. Oui. Bouton vers le haut, hein, voilà. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bon. Les micros sont ouverts hein, en général. Ouais. Donc, voilà. Alors bonjour à tous. Donc merci de me laisser m'exprimer à ce sujet aujourd'hui. Donc moi, je vais d'abord commencer par dresser un bilan du 9e Forum mondial de l'eau et la route qui nous conduit jusqu'à New York. Donc Dakar, le 9e Forum de l'eau a lieu au Sénégal, et New York, ce sont deux événements jalons dans la recherche de solutions pour protéger efficacement les ressources en eau et développer les coopérations nord-sud en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors, le 9e Forum mondial de l'eau, il s'est tenu dans les environs de Dakar du 21 au 26 mars 2022, donc il y a un an. C'est le premier FME organisé dans un pays d'Afrique subsaharienne et le second en Afrique après le Maroc en 97. Les acteurs français s'y sont déplacés en nombre, que ce soit les agences de l'eau, dont 5 sur 6 ont fait le déplacement, accompagnés de membres de leur comité de bassin, mais aussi des associations et des ONG, des entreprises et bien sûr des personnalités publiques, des personnalités politiques de première importance, comme la secrétaire d'État chargée de la biodiversité d'alors, qui était Bérangère Abba. Les agences, elles y sont allées en cherchant à soutenir les messages portés par la délégation française, en appuyant sur leur spécificité et leur domaine d'expertise, notamment sur la promotion du mécanisme du 1% ou d'un centini, je reviendrai peut-être là-dessus après, la promotion des solutions fondées sur la nature et le décloisonnement des approches eau en tant que ressource et eau en tant que service. Ces messages, elles les ont portés lors de plusieurs événements qu'elles ont soit organisés ou dans lesquels elles étaient panélistes, d'abord dans le cadre du processus thématique qui était le cœur du forum, et c'est de ce processus que devaient ressortir des grandes idées pour alimenter le produit de sortie principal du forum qu'on a appelé la déclaration de Dakar. L'agence de l'eau à Dour-Garonne, elle est par exemple intervenue dans le processus thématique dans une session intitulée « Tirer parti des financements innovants ». Ah oui. Tirer parti des financements innovants pour renforcer la coopération nord-sud, sud-sud et triangulaire dans le domaine de l'eau. Ensuite, dans des événements parallèles qu'on a appelés des side events, qui avaient souvent lieu sur les pavillons propres à chaque État, comme l'Espace France, qui était du coup le pavillon français tenu par le partenariat français pour l'eau. De façon plus large, hors du contrôle des agences et des autres participants, le forum a été novateur sur certaines choses et il a été aussi décevant, limité sur d'autres. Novateur d'abord parce qu'il prévoyait un espace jeunesse qui mettait en lumière les activités du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, le PMJE, qui tente d'inscrire dans la durée et dans les instances décisionnelles de l'eau la voix des jeunes du monde entier et dont est membre un des administrateurs du comité de bassin Artois Picardie. Novateur également parce que pour la première fois, le processus politique du forum prévoyait un segment des bassins où a pu être discuté l'un des points d'accroc de la diplomatie de l'eau, à savoir la gestion des bassins transfrontaliers. Novateur enfin parce que par l'attractivité de l'Espace France, je le dis, sur lequel se sont enchaînés des side events, des cocktails, des meetings qui ont permis aux acteurs de se rencontrer et de signer des protocoles d'accord, des ébauches, de lancer des ébauches de projets. Mais il a aussi été limité du coup sur certains aspects. D'abord sur le processus politique qui à mon sens a été insuffisant, manquant de préparation,
manquant de chefs d'État, de gouvernement, de parlementaires qui ont fait le déplacement. Et on a aussi regretté que le forum faisait très européo-africano-centré, avec beaucoup d'acteurs européens et africains, mais peu d'Américains, peu d'Océaniens, peu d'Asiatiques. Et on a eu l'impression que c'était un peu un forum où les acteurs de l'eau parlaient à d'autres acteurs de l'eau, du coup sans enchevêtrement entre les disciplines, sans casser les silos, comme on dit. Et enfin, on a pu ressentir un manque d'ambition de ce qui devait ressortir du forum. En effet, il a donné lieu à l'adoption d'une déclaration de Dakar, j'en parlais un peu plus tôt, qui cherche à appuyer sur 5 axes: garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, garantir la disponibilité de la ressource et la résilience, assurer les financements adéquats, assurer une gouvernance inclusive de l'eau et renforcer la coopération. Malheureusement, la déclaration n'a pas de levier incitatif et n'a pas de portée diplomatique, puisqu'elle n'est pas contraignante en fait. Elle est actuellement soumise comme contribution à la conférence de New York, à voir donc si un avenir peut lui être trouvé. À noter aussi l'adoption d'une déclaration des bassins qui, elle, a fait date pour deux raisons. D'abord, elle résulte d'une journée dédiée aux bassins organisée pour la première fois dans un forum mondial de l'eau, et elle permet de créer du coup un précédent qui permettra peut-être de pérenniser cette journée et cette thématique dans les prochains forums, tout en insistant sur le transfrontalier, thématique qui sera d'ailleurs défendue par le ministère des Affaires étrangères français à New York. Avant New York, un tout petit mot sur la COP27. Sur la COP27 qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en novembre 2022 et qui nous intéresse car pour la première fois, l'eau est citée en tant que telle dans son produit de sortie. Et c'est une avancée majeure puisqu'en dehors des forums, c'est surtout les océans et leurs écosystèmes qui tiennent la vedette et que les COP peuvent avoir une dimension contraignante au niveau des États que n'ont pas forcément les forums mondiaux de l'eau. Alors qu'attendre de New York maintenant ? Cette conférence qui se déroule du coup du 22 au 24 mars est historique dans la mesure où on l'attend depuis 1977, on le disait plus tôt, date de la dernière conférence onusienne sur le thème de l'eau. Elle est organisée par l'UNDESA, qui est le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, et par les pays co-organisateurs que sont les Pays-Bas et le Tadjikistan. Par rapport à Dakar, on est clairement sur un événement qui est onusien. On peut donc espérer un produit de sortie peut-être plus substantiel. Et en effet, la conférence est constituée de 6 séances plénières dans lesquelles les États membres pourront prendre la parole pour annoncer des engagements, des plans ou des actions. Hors du cadre de la diplomatie étatique, la conférence prévoit aussi l'organisation de 5 dialogues interactifs qui sont des tables rondes de haut niveau sur des thèmes proposés par les deux États co-organisateurs. Ces thèmes étant l'eau pour la santé, l'eau pour le développement, l'eau pour le climat, la résilience et l'environnement, l'eau pour la coopération, y compris transfrontalière, et j'appuie là-dessus. L'eau pour l'accélération de l'action en faveur de l'atteinte de la décennie pour l'eau ayant commencé en 2018 et terminant en 2028. En parallèle, sont aussi organisés des side events. Le PSO, par exemple, organise avec l'agence de l'eau Adour-Garonne un side event intitulé « Citoyens et élus locaux impliqués dans la solidarité Nord-Sud à partir des ressources de la facture d'eau » qui a eu lieu hier, du coup, à l'Alliance française de New York, et qui cherche à faire connaître le mécanisme notamment du 1% français et ses corollaires en Europe. À noter que plus... À la fin de la conférence, on va avoir un summary, un résumé rédigé du coup par l'UNDESA qui sera publié, mais il ne constituera pas une résolution politique. Donc le risque qui menace à nouveau, c'est que la conférence devienne une nouvelle étape dans l'agenda international de l'eau entre Dakar et le prochain forum mondial de l'eau qui aura lieu en Indonésie en 2024. Je terminerai juste par quelques mots sur les modalités d'aide de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent ce que l'agence de l'eau fait en matière d'international quand elle ne prépare pas des événements de l'ampleur des forums ou de la conférence de New York. Les agences sont visées par la loi Houdin-Santini et sont 1% aux côtés des collectivités territoriales et des syndicats d'eau, ce qui nous permet de soutenir financièrement et techniquement des projets de solidarité internationale ou de coopération décentralisée. Je termine donc par un rapide survol de nos modalités d'aide pour l'action internationale. Dans le cadre du 1%, Adour-Garonne, en 2022, a soutenu 24 projets portés par des associations ou des collectivités territoriales, principalement en Afrique subsaharienne, mais également en Mauritanie, en Tunisie et en Méditerranée orientale, par exemple au Liban. L'agence peut intervenir à l'international et soutenir des porteurs de projets selon 4 dispositifs. Elle peut soutenir des actions de coopération décentralisée portées par des collectivités territoriales situées dans le bassin Adour-Garonne ou des actions de solidarité portées par des associations ou des ONG implantées en France.
Elle peut soutenir le développement de cadres institutionnels visant à promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau, une GIR, principalement sur le bassin du fleuve Sénégal. Et elle peut soutenir des opérations d'animation et de sensibilisation des acteurs de la solidarité internationale sur le bassin Adour-Garonne, cette fois, pour par exemple promouvoir le 1% auprès des collectivités. Et enfin, de manière exceptionnelle, elle peut soutenir des ONG urgentistes dans le cadre d'un sinistre majeur à fort impact humanitaire, dispositif utilisé actuellement pour la Syrie et la Turquie. Donc je resterai sur le premier dispositif puisque c'est celui qui nous intéresse. L'aide de l'agence est plafonnée à 200 000 euros par an et par projet. Les bénéficiaires peuvent en être des collectivités du bassin et leurs groupements, syndicats intercommunaux dotés de la compétence eau et assainissement, associations et ONG ayant une implantation pérenne en France. Le taux maximum d'aide pour les collectivités est de 70% du montant total éligible du projet, voire 80% pour les collectivités nouvellement engagées dans une démarche de coopération décentralisée. Pour les associations et ONG, le taux maximum est fixé à 50%. Dans le cadre, du coup, toujours des ONG, l'agence demande un cofinancement d'une collectivité territoriale du bassin ou d'un groupement de collectivités ou d'un syndicat intercommunal qui se chiffre au minimum à 5% du montant total éligible du projet. Les projets soutenus en priorité sont situés dans les pays destinataires de l'aide publique au développement française, le Mali en moins. Les projets situés dans d'autres pays sont aussi examinés mais financés s'il reste du reliquat disponible. Les zones rouges restent éligibles mais aux aides de l'agence, mais une note de sécurité sera demandée aux porteurs avec interdiction d'envoyer des ressortissants français sur place pour des raisons de sécurité. Et les opérations éligibles sont les suivantes: études, travaux, équipements pour l'accès individuel ou collectif à l'eau potable et à l'assainissement, sensibilisation à l'hygiène et à la santé, renforcement des capacités, par exemple amélioration d'un service public de l'eau et de l'assainissement ou de sa gestion, et enfin évaluation des dispositifs mis en œuvre. Voilà pour les grandes lignes. Merci beaucoup, monsieur Philodeau, et merci pour ce catalogue exhaustif des modalités d'accompagnement ou des possibilités d'accompagnement par les agences de l'eau et l'agence de l'eau Adour-Garonne en particulier. Merci pour cette entrée en matière. Vous pourrez rester là si vous le voulez bien pour éventuellement répondre à d'autres questions si cela s'avérait nécessaire. Sans plus tarder, j'invite madame Papin, donc présidente en charge des relations internationales de Bordeaux Métropole, à nous dire quelques mots quant aux grands enjeux de la coopération décentralisée. Et peut-être au passage également, à l'occasion des 10 ans de la mise en œuvre de la loi Houdin-Santini, nous dire quelques mots sur cette loi pour les plus profanes d'entre nous également. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je ne suis pas présidente, je suis vice-présidente. Voilà, je tiens à le souligner quand même. Vous avez été promue par Cyclo. Oui, matin, bah, merci beaucoup. Non, voilà, vice-présidente de Bordeaux Métropole et aussi adjointe à la ville de Bordeaux en charge des relations internationales. Et je dois dire que je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce dispositif Houdin-Santini, de l'action internationale des collectivités locales dans le domaine de l'eau et l'assainissement, parce que c'est vraiment un effet levier très significatif pour notre action de coopération décentralisée dans nos zones partenaires, mais aussi dans d'autres zones pour lesquelles, effectivement, les associations se mobilisent. Donc, vous l'avez un peu dit en... Je n'ai pas de diapo. Moi, je... Voilà. Ça sera... Vous devrez m'écouter et être sans filet. Donc, effectivement, vous l'avez dit en préambule, vous avez évoqué quelques chiffres clés. Je ne vais pas forcément y revenir, puisque je pense qu'on a un public qui est assez sensibilisé à cette question de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays du Sud, mais plus globalement... la question de la ressource qui devient de plus en plus problématique sur un grand nombre de zones géographiques. On estime que d'ici 2025, 63% de la population mondiale sera exposée à un stress hydrique. On sait également que cette question de l'eau génère derrière des conflits, ça a pu être dit, des conflits d'usage, mais aussi bien sûr des problématiques géopolitiques majeures qui sont source d'exode rural, qui sont source de migration. Donc autant de problématiques qui, in fine, aboutissent à un grand nombre de problèmes qui se posent dans d'autres aspects, on va dire, de l'action internationale, notamment la question des conflits, la question de la vie urbaine et des services urbains qu'on doit pouvoir apporter à une population en croissance permanente. Et dans ce cadre-là, la coopération décentralisée a véritablement
un rôle majeur à jouer parce que les gouvernements locaux et notamment les collectivités, les EPCI, les établissements intercommunaux français ont des compétences en matière de services urbains tels que les déchets, l'eau ou encore les mobilités, donc des expertises sur ces champs-là et sont amenées dans le cadre des accords de coopération qu'elles peuvent déjà avoir. Pour ce qui nous concerne, par exemple, à Bordeaux Métropole, on est en partenariat avec Douala au Cameroun ou Hyderabad en Inde. Mais au-delà, on a un grand nombre de partenariats à la ville de Bordeaux. Je vais citer, par exemple, Ramallah, Bamako, Ouagadougou. Bon, un grand nombre de territoires avec lesquels nous sommes déjà en lien et pour lesquels la question de l'accès à l'eau et l'assainissement revient véritablement en premier besoin qui est exprimé par ces partenaires. Ce sont des partenariats qui datent déjà d'un certain temps, qui ne sont pas forcément liés à l'actualité récente, etc. Pas du tout. Ouais, non, pour certains, ils ont une trentaine d'années, voilà, effectivement. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment le premier axe sur lequel on sent bien qu'il y a un besoin, et c'est normal, c'est un besoin bien évidemment vital, mais qui est un prélude à d'autres actions. Quand on souhaite développer l'accès à l'éducation, par exemple, ou des projets en lien avec l'égalité femmes-hommes, bien évidemment, ne pas agir sur le domaine de l'eau et l'assainissement, qui, on le sait, pénalise en premier lieu les femmes, évidemment, on aura une grosse difficulté à pouvoir avoir un impact direct. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que la loi Oudin-Santini de 2005 nous a permis de bénéficier d'un dispositif qui permet de consacrer jusqu'à 1% de nos recettes des services d'eau et d'assainissement à des actions de solidarité internationale. Et c'est vrai que ça permet un effet levier financier conséquent, là où souvent les budgets des relations internationales des collectivités restent tout de même relativement modestes, hein, puisque à titre d'exemple, sur Bordeaux Métropole, le budget des relations internationales est autour de 350 000 euros par an, quand le dispositif Oudin-Santini va permettre de mobiliser 200 000 euros par an. Donc vous voyez que déjà, on a vraiment un effet levier déjà beaucoup plus conséquent. Oui, oui. Donc, c'est quand même très intéressant. Mmh. Et en plus, avec un impact très direct, puisqu'on finance des projets qui ont un effet. On va dire, pour un euro investi, on estime qu'on a à peu près 7 euros in fine qui est décuplé, on va dire, par le projet mis en œuvre. Nous, notre dispositif, par exemple, a permis en 10 ans de toucher 500 000 bénéficiaires directs et plus d'un million de bénéficiaires indirects pour 2 millions d'euros donc investis, on va dire soutenus par rapport aux porteurs de projets ou soit directement dans nos projets que nous avons menés, nous, dans nos accords de coopération. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a véritablement un impact significatif et qui permet aussi, au regard de la population ici sur notre territoire, de mieux appréhender, on va dire, l'impact d'une action internationale, d'une collectivité, qui n'est pas toujours bien compris. Parfois, j'entends des citoyens, et surtout dans le contexte malheureusement actuel, où les besoins, bien évidemment, de nos concitoyens sont croissants. Concernés, oui. Sont croissants. Parfois, il y a une incompréhension de l'action internationale d'une collectivité. Oui, mais pourquoi vous allez agir sur un autre territoire? Pourquoi? Parce qu'on a bien vu l'interaction... La question de l'eau, de la même manière que la question du climat ou de la biodiversité, les territoires du monde sont totalement interconnectés. On a des impacts, ce qui se déroule là-bas a bien sûr des impacts aussi chez nous. Et on voit aussi que cette action, elle n'est pas, c'est pas de l'argent qu'on donne pour se donner bonne conscience. C'est de l'argent qui véritablement a un impact concret sur le terrain, sur un besoin vital. Et qui clairement permet à des personnes de pouvoir simplement vivre, hein, pour reprendre une formule bien connue. Après, si vous voulez, je peux développer dispositif. Donc 53 voilà. Projets soutenus en 10 ans. Je l'ai dit, 2 millions d'euros apportés. Vous aurez tout à l'heure un exemple concret de ce que ça peut entraîner sur le terrain. Et pour un peu donner peut-être une idée aussi de comment ça se déroule, on lance à peu près un appel à projet. Alors, parfois tous les ans, parfois tous les deux ans, parce que ça dépend effectivement de du temps de maturation du règlement pour l'appel à projet. Ce sont des projets qui sont soutenus aussi par l'agence Adour-Garonne et on travaille en étroite collaboration avec l'agence de l'eau. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne très très bien.
On soutient des projets, donc soit dans le cadre de nos accords de coopération, donc des projets qui ont été co-définis avec nos partenaires, soit dans le cadre de cet appel à projets pour des associations qui parfois peuvent être du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine ou élargies à l'ensemble du territoire français. Et une vingtaine de pays à peu près ont été concernés par ces appels, par ces projets soutenus, principalement sur le continent africain, mais pas uniquement. On a pu avoir des projets en Inde, on a pu avoir des projets en Amérique latine. En tout cas, voilà, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui, outre l'agence de l'eau, parce que je vois aussi évidemment ça aux coopérations et PSO, je tiens aussi à le souligner, ce sont des projets qui peuvent aussi naître et aboutir grâce au soutien de ces partenaires-là qui sont là aussi pour l'accompagnement des porteurs de projets dans la définition de leur projet. Inversement, une première question à ce stade, est-ce que inversement vous êtes sollicité en tant que guichet potentiel distributeurs, si je puis dire, en tout cas, fournisseurs d'accompagnement, de subventions, etc. Est-ce que vous êtes sollicité par d'autres associations locales ou d'autres acteurs qui sont sensibles à ce sujet ? Alors, sollicité, oui, évidemment, mm-hmm. puisqu'effectivement, comme nous sommes une collectivité conséquente, qui est, je crois, assez bien référencée sur cette question du dispositif Oudin Santini, c'est vrai qu'on a des sollicitations de beaucoup d'acteurs de l'ensemble du territoire qui peuvent être intéressés évidemment par notre appel à projet qui a une enveloppe plus conséquente que d'autres peut-être éventuellement d'autres collectivités. On est aussi sollicité par des comités de jumelage par exemple qui ont envie de monter un projet. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on l'on fait en général, on les reçoit bien sûr et on leur explique un petit peu le dispositif, mais surtout on les réoriente vers ces coopérations dont la mission est aussi d'accompagner justement. Ça fait partie de leur mission, entre autres. Merci beaucoup, Madame Papin. Nous reviendrons vers vous si des questions peuvent vous intéresser, vous concerner. Alors, vous avez cité les différentes associations que vous soutenez ou celles avec qui vous êtes en partenariat. L'une d'entre elles, c'est donc ACAFI, l'association que vous représentez aujourd'hui, Monsieur Alounsi. Dont vous êtes coordinateur, et je vous en laisse nous dire quelques mots, nous évoquer les projets que porte cette association. Merci beaucoup. Merci aussi à la Bordeaux Métropole et puis PSO Coopération de nous avoir invités. Je vais illustrer concrètement sur le terrain tout ce qui a été dit ici, parce que nous, les associations, nous sommes des structures d'action sur le terrain. Et donc, nous mettons en œuvre, nous allons chercher des moyens financiers auprès des collectivités, auprès des agences de financement, des fondations, pour mettre en place des projets sur le terrain, bien sûr. On n'est pas seul. Normalement, j'ai un PowerPoint. Voilà, vous avez la flèche verte pour avancer. C'est parfait. Voilà, ça marche très bien. Donc, l'association ACAFI existe depuis 2007. C'est une association qui a plusieurs niveaux d'action. D'abord ici au niveau de la France. Donc nous avons un programme d'accueil et d'accompagnement des étudiants internationaux. Donc qu'on aide durant toute chaque année, on reçoit à peu près entre 500 et 600 étudiants qui viennent nous voir. Et puis on travaille beaucoup aussi sur les questions de vivre ensemble, de lutte contre la discrimination, etc. Et puis le troisième volet qui nous intéresse ici, c'est donc un volet qui concerne la mise en place de projets de développement vers les pays du Sud. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter ce projet qu'on a réalisé au Togo, l'intitulé donc c'est Action eau potable et assainissement dans les villages de Konfeskouane et Konfeskalkualuda. Donc vous m'excusez si je prononce très mal ce nom. C'est un projet qui est dans la région de la Bina. C'est au centre ouest du Togo, et c'est deux villages qui vivent pendant 8 mois, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'au mois de novembre, n'ont pas accès à l'eau potable parce que tout simplement ces villages puisent l'eau pendant la saison pluvieuse. Donc c'est le cours d'eau, donc et donc sans compter tous les problèmes annexes qui viennent s'ajouter à ce problème de manque d'eau, donc le problème d'hygiène, le problème des maladies diarrhées, etc., etc. Et donc, il y a 2 ans, nous avons, en partenariat avec l'association Konfeskouane, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, entamé un travail, un processus de mise en place d'un projet de réalisation de 2 forages dans la région de la Bina, dans 2 villages. C'est des villages qui à peu près font 1000 habitants. Et ces 2 villages qui, comme je vous le disais, pendant 8 mois, n'ont pas accès à l'eau potable.
Les deux forages ont été réalisés parce que nous avons quand même respecté tout un processus de mise en place du projet, c'est-à-dire que nous avons fait un appel d'offres. L'appel d'offres a permis de sélectionner sur trois entreprises qui se sont présentées, une entreprise pour réaliser le forage, et il y a aussi, nous avons fait appel aussi à une entreprise qui est spécialisée, qui est venue faire les sondages, les études géologiques, etc., etc. Donc, c'est des forages qui sont quand même qui ont été difficilement réalisables parce qu'en fait, c'est une région où la roche est très présente et il a fallu à peu près, sur le premier forage à Kulaouda, ben, creuser jusqu'à 60 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est le deuxième jusqu'à 90 mètres. Les débits sont très intéressants et puis correspondent à peu près aux normes internationales qui sont respectées. Et puis surtout, il y a un volet assainissement qui est très important parce qu'il a fallu former la population aussi à l'assainissement et à l'entretien des installations. Ces moments sont très importants parce qu'on ne le dit pas assez. Notre association partenaire nous disait, vous pouvez vous rendre compte, les actions de sensibilisation de la population sont aussi très importantes parce que ça permet en même temps à toute la population de s'approprier le projet dès le départ. Et c'est comme ça que, heureusement, les réalisations se sont très bien passées. Et notre partenaire local, donc, qui s'appelle PALPAG, je ne prononce pas peut-être très bien le nom, mais ça a nécessité la mobilisation de tous les partenaires qui sont sur le territoire, donc la direction régionale de l'eau, de l'hydraulique du village, la commune de Bina, la préfecture, le canton de Pessari, la société CFR, donc qui a réalisé, qui a remporté l'appel à projet et donc l'appel d'offres et donc qui a réalisé ce travail-là de réalisation de forage. C'est très important, je le note surtout pour le village, parce qu'en fait, on le dit pas assez, mais la garantie de la bonne réalisation des installations dépend aussi bien sûr de l'adhésion des chefferies traditionnelles au projet. Et ce moment-là est très important parce que très souvent on l'oublie et on nous a dit vous ne pouvez pas le savoir parce que non seulement effectivement ça permet au chef d'asseoir sa notoriété, mais ça assure aussi à la structure qui réalise le projet une protection durant tout le long de réalisation de la. Alors au niveau des partenaires, et là j'en viens, donc on a eu trois partenaires dans ce projet. Bien entendu, Bordeaux Métropole qui a financé à hauteur de 40% du projet, ce qui est très, très important pour nous. L'agence Microprojet et puis la fondation Valorem, ce sont les trois fondations, les trois partenaires financiers du projet. Le Bordeaux Métropole, je remercie vraiment vivement. Parce que quand notre dossier a été accepté, c'est le premier déjà bailleur qui a accepté de soutenir le projet. Et vous savez, pour nous, c'est toujours une guerre d'avoir le premier bailleur parce qu'après, c'est un appel d'air pour les autres. Et puis surtout, nous étions en pleine Covid. Donc le projet qui aurait dû être réalisé en 2021 n'a pas pu se faire. Donc nous avons demandé à Bordeaux Métropole, en abonnant à la convention, ça a été accepté avec plaisir et c'est ça qui a permis après de faciliter aussi la réalisation de projet en 2022 et le projet s'est très bien déroulé et ça s'est très bien passé. Nous sommes entourés d'expertise comme APP Énergie, c'est une entreprise qui travaille avec nous depuis longtemps et c'est comme ça que ACAFI travaille. Quand on n'a pas de compétences internes, on fait appel à des compétences externes pour essayer de réaliser le projet. Le coût global du projet donc, est de 68 900 euros et donc vous voyez très bien combien l'apport de Bordeaux Métropole a été déterminant pour la réalisation de cette action. Alors là, vous voyez quelques photos d'illustration du projet, les actions de formation, de sensibilisation destinées aux villageois, pour la gestion des forages après, parce qu'il faut assurer la gestion de forage, il faut assurer leur pérennité. Et donc, ces réunions d'information, la création de mise en place de comités de suivi, de sélection, etc., permet aussi d'assurer la pérennité du projet. Et puis surtout, nous avons bénéficié vraiment d'une société donc, qui est reconnue déjà au niveau du Togo pour son expertise et puis qui a réalisé vraiment deux forages d'extrême qualité. Le président de l'association ACAFI qui s'est rendu sur le terrain me disait, mais quand je suis parti là-bas, j'ai été marqué par deux choses. La première chose, c'est la qualité des installations qui sont vraiment de niveau international. Et puis la deuxième chose, c'est l'extrême pauvreté dans laquelle se trouve cette population-là. Et je lui ai dit, me disait, la première richesse aujourd'hui de cette population-là, ben ce sont ces forages-là. Ce sont ces forages qui vont leur permettre aujourd'hui d'être en bonne santé,
de savoir que voilà, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école ou donner de l'enfant à de l'eau ou à manger sans se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, bon, ils ont des forages qui sont là qui leur permettent d'avoir de l'eau potable. Une autre qualité. Ouais. Voilà. Et l'une des premières conséquences, c'est que durant les périodes de soudure, il y a beaucoup de villageois qui déménageaient, qui partaient aller vers les points d'eau les plus éloignés. Et bien, depuis qu'il y a les forages, et bien, aujourd'hui, ces villageois-là sont revenus. Sont sédentarisés, sont restés là. Et donc ça aussi, voilà, c'est un effet induit qui n'était pas tout attendu, qui permet aujourd'hui aux villageois de rester sans être obligés de déménager. Ce qui constitue une bonne nouvelle supplémentaire. Absolument. En tout cas, ouais. Merci beaucoup, monsieur Si. Merci pour ces illustrations. Effectivement, notamment avec l'appui des photos que vous nous montrez. Alors j'imagine que la photo en haut à droite, c'est l'installation terminée avec la réserve d'eau en hauteur à la verticale du forage. Juste avant d'accueillir nos prochains invités, une toute petite question très très rapidement. Vous avez cité donc la présence d'un bureau d'études, l'appel à un bureau d'études et à évidemment la société pour le forage proprement dit. Vous découvrez une géologie plus compliquée que prévu. Comment ça se passe? Ça a eu un impact sur le budget ou ça a occasionné des dépassements par rapport aux prévisions? En fait, on a eu le cabinet d'études qui a fait vraiment un travail assez remarquable. Mm-hmm. Il nous avait dit l'eau, on va la trouver entre 50 et 150 mètres. Donc, toutes les expertises techniques vont prouver ça. Et donc, du coup, toutes les prévisions que nous avons prévu sur des forages qui pourraient être à la profondeur de entre 150 et 150 mètres. D'accord. Ce qui nous a permis d'éviter d'être en blocage. Mm-hmm. Dans les situations. Ça avait été anticipé. Ouais, merci beaucoup pour cette précision un peu plus technique. Alors, j'invite donc à nous rejoindre maintenant M. Gauthier Hunoux, qui est chargé de mission assainissement et déchets à Initiative Développement. Vous nous présenterez dans un instant. Je vous invite à nous rejoindre sur cette estrade. Et M. Philippe Guettier, qui est conseiller partenariat français pour l'eau. Donc, il nous dira quelques mots également, mais avec d'abord une présentation de l'ONG Initiative Développement et d'un projet par Monsieur Hunoux. Je vous laisse la parole avec la petite télécommande qui vous sera utile pour passer vous-même et garder la main sur votre diaporama. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, Gauthier Hunoux, chargé de mission eau, assainissement, déchets de l'initiative de l'ONG Initiative Développement. Pour dire quelques mots sur Initiative Développement, donc, nous sommes une ONG de 150 salariés et de 6 millions d'euros de budget annuel, avec comme particularité d'être basé à Poitiers et à Mérignac, et non pas à Paris, puisque une ONG de notre taille, on pourrait être à Paris, mais nous, historiquement, nous sommes à Poitiers, et nous avons préféré rester dans notre écosystème territorial et régional pour travailler avec nos partenaires. Donc notre ONG, on travaille pour la dignité humaine et le respect de la planète, en donnant le pouvoir d'agir à chaque personne, et notamment en accompagnant l'autonomie des partenaires avec qui nous travaillons localement. On travaille dans différents pays, en Afrique, en Haïti, et aussi on a un travail en France via le projet DEFI. Donc on travaille dans différents secteurs, dont celui de l'EAD, que je représente en tant que chargé de mission. Je tenais à remercier au nom de l'ONG Initiative Développement, du coup, SO Coopération et PSO pour l'organisation, aussi à Cyclo pour le salon. Et aussi, je tenais à remercier nos partenaires qui sont présents, donc l'AEAG et Bordeaux Métropole, qui sont des partenaires précieux pour nous. Et aussi, je tenais à remercier tous ceux qui sont dans la salle et je vous invite à venir discuter avec moi par la suite. Donc, le projet que je vais vous présenter, du coup, c'est un projet au niveau de la coopération décentralisée entre la région de Nouvelle-Aquitaine et la région Itas à Madagascar. Donc une coopération décentralisée qui date depuis 15 ans et qui a un axe de coopération notamment lié à la gouvernance de l'eau. Le programme, donc, programme d'appui à la gouvernance locale en Itas, donc le PAGLI, est mis en œuvre par IDE sur le terrain d'intervention qui est situé dans 4 intercommunalités de la région Itas qui regroupe 15 communes et 340 000 habitants. Les 4 intercommunalités qui sont appuyées sont Mahamiosa, 3A à Miroso, Aza et 3AI. Donc la durée du programme a été de 44 mois entre mars 2019 et octobre 2022 avec un budget total de 950 000 euros
donc 450 000 euros de l'Union européenne, 163 000 euros de l'Agence de l'eau Ardou-Garonne, donc merci encore pour le financement, 153 000 euros de la région Nouvelle-Aquitaine et 121 000 euros de le ministère des Affaires étrangères et 4 000 euros de la région Étas qui ont contribué localement. Donc, ma présentation porte sur le volet eau, assainissement, hygiène du programme PAGLI. Donc, le programme PAGLI avait un objectif général de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale sur le territoire des 4 intercommunalités afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'un meilleur accès aux services essentiels de base, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. On a utilisé ce qu'on appelle l'approche en cascade qui permet d'accompagner le renforcement des communes à piloter leurs services. Donc, l'approche en cascade consiste à réfléchir au territoire comme une constitution de groupes d'acteurs qui interagissent et s'influencent entre eux. Par exemple, dans l'approche en cascade, l'intercommunalité accompagne les communes en renforçant leur maîtrise d'ouvrage. Les communes, quant à elles, pilotent le développement territorial des services d'eau grâce à leur maîtrise d'ouvrage renforcée. Et finalement, la société civile participe à ce développement par des propositions faites aux politiques communautaires en étant force de proposition auprès des commissions des maîtrises d'ouvrage. Concrètement, on a travaillé sur les résultats spécifiques du volet EAH qui ont cherché à améliorer l'accès à l'eau et aux infrastructures sanitaires dans les 4 localités, de renforcer les capacités des communes et des organisations de la société civile en matière d'eau, et de consolider les dynamiques de concertation multi-acteurs dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans ces 4 intercommunalités. Le cœur de notre projet et du PAGLI, du coup, a été de renforcer la maîtrise d'ouvrage communale. On s'est appuyé sur 3 piliers pour renforcer cette maîtrise, à savoir le renforcement des compétences, la concertation et la planification communale et finalement les chantiers écoles d'eau et d'assainissement. Donc le renforcement de cette compétence, donc la compétence maîtrise d'ouvrage, s'est appuyé sur un diagnostic détaillé des besoins basé sur des entretiens et des observations. Ainsi, les besoins identifiés ont orienté la définition d'un plan de renforcement qui s'est voulu structurel, technique et organisationnel. La mise en œuvre du plan de renforcement a été menée par un accompagnement spécifique à chaque commune, avec par exemple un renforcement des fiches de poste des agents de chaque commune qui était déjà en place pour qu'ils aient une meilleure vision de leurs activités à mettre en, et lors de leurs tâches quotidiennes. On a aussi nommé des référents EAH dans chaque commune, donc référents et techniciens EAH, pour qu'ils accompagnent du coup notamment la maîtrise d'œuvre. On a fait des formations techniques et finalement on a aussi fait des visites d'échanges entre les différentes communes, puisqu'il y avait une quinzaine de communes qui étaient renforcées. On a aussi accompagné la concertation et la planification locale, donc avec cette approche en cascade dont je vous ai expliqué le fonctionnement juste avant. Elles ont permis une concertation avec la société civile. Des comités de développement représentatifs à l'échelle infracommunale ont été constitués dans chaque fonds comptable. Le fonds comptable, c'est une échelle infracommunale en dessous de la commune. Ça pourrait être comme un village ou un quartier pour faire un parallèle avec la France. Ensuite, on a mis en place un collège de représentants et qu'on a appuyé dans son autodétermination pour qu'ils prennent vraiment les décisions par rapport à leurs besoins et aussi par une formation à la méthodologie du projet. Ensuite, chaque comité de développement a dressé un diagnostic participatif de son territoire. De plus, on a aussi mis en place des structures locales de concertation qui ont été constituées et composées des membres des comités de développement, mais aussi d'autres personnes ressources issues de la société civile. Cette structure a eu comme objectif de valider le diagnostic communal qui a été réalisé juste avant, de définir une vision et aussi des axes stratégiques pour finalement élaborer des plans communaux de développement via un plan d'action pluriannuel et un budget. Le plan de développement a été validé forcément par chaque conseil municipal puisqu'ils vont induire le développement de leur commune. Finalement, chaque commune a été dotée d'un fonds d'initiative pour inciter les OSC locales à mettre en œuvre des projets prévus par le plan de développement en s'appuyant sur cette compétence de maîtrise d'ouvrage qui a été renforcée. Tout cela a mené à mettre en place des chantiers écoles, eau, assainissement et hygiène qui sont une forme d'expérimentation qui ont été menées par les communes pour concevoir les ouvrages EAH qui sont prévus par les plans de développement
par exemple des systèmes d'éducation en eau potable ou encore des latrines. Ces chantiers étaient l'occasion de mettre en pratique le renforcement de leurs capacités en matière de maîtrise d'ouvrage, tout en ayant un cadre et un appui pour mettre en place les plans communaux ciblant des besoins déjà ciblés en matière d'infrastructure. Concrètement, la démarche a été de rédiger des fiches projets qui comprenaient une présentation sommaire du projet, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé. Ces fiches, du coup, étudient la conception concrète et la mise en œuvre des infrastructures. Ils ont aussi mené la passation de marché, donc dans l'idée de cette maîtrise d'ouvrage renforcée, via un appel d'offres, une ouverture des plis, une évaluation des candidatures, la contractualisation de l'entreprise retenue. Et ils ont fait le suivi du chantier et ils ont assuré la réception technique et aussi assuré le suivi de gestion. Excusez-moi. En termes d'impact, on peut en voir trois. Donc l'amélioration de la gouvernance locale des services de base en matière d'eau. Donc le premier impact a été l'augmentation du nombre de bénéficiaires ayant eu un accès à l'eau grâce aux 37 projets qui ont été financés, mais aussi construits et gérés par les communes en appui avec les OSC. C'est ce qui nous donne plus de 63 000 bénéficiaires qui ont maintenant un accès à l'eau, un accès du coup aux services d'eau et d'assainissement. Quelques exemples de projets, on a mis en place, les communes avec les OSC ont mis en place 11 projets de création d'adduction d'eau potable gravitaire, 13 projets de réhabilitation ou d'extension, toujours d'adduction en eau potable gravitaire, 3 projets de pompes à motricité humaine, 4 projets de canaux d'assainissement, 5 projets de blocs sanitaires et aussi un projet d'installation d'un grand compteur pour un réseau de gestion privée. De plus, le renforcement des OSC et des communes en matière de gestion et de maintenance d'ouvrage a été renforcé, ce qui leur permettra de maintenir à terme la qualité de ces ouvrages et donc de pérenniser cet accès. En effet, sur les différents projets qui ont été mis en place, il y en a eu 15 qui sont maintenant gérés soit en délégation de service public par une OSC, soit en régie directe par la commune. Le deuxième impact a été de renforcer les communes en matière de maîtrise d'ouvrage et aussi les organisations de la société civile en matière de gestion de projet. Parce qu'ils participeront au maintien des ouvrages d'eau et d'assainissement et aussi à la bonne gouvernance de ces acteurs dans leur territoire. Les communes ont pu être renforcées dans leurs compétences de maîtrise d'ouvrage, même de mettre en œuvre, puisque avec les techniciens, ils ont aussi utilisé tout ce qui est outils de calcul pour dimensionner les ouvrages. Et aussi parce que ils ont eu des formations et aussi ils ont créé leurs propres outils où on leur a transféré des outils de gestion et ils ont pu expérimenter la construction d'ouvrages et la gestion qui est liée. Ainsi, chaque commune possède désormais un technicien eau assainissement avec un total de 15 techniciens recrutés. Ils sont garants de la gestion des ouvrages qui ont été construits. De plus, 103 organisations de la société civile sont renforcées de leur capacité à gérer un projet, ce qui leur permettra dans le futur d'en gérer et d'en mener de nouveau. Ces formations ont aussi participé à renforcer les intercommunalités par l'approche en cascade, comme je vous présentais juste avant, puisque les secrétaires permanents des intercommunalités ont eu en charge d'organiser les formations sur la maîtrise d'ouvrage, donc, ce qui nous permet du coup d'avoir cette approche en cascade. Finalement, le dernier impact a été de renforcer la dynamique de concertation multi-acteurs durant le projet. Plusieurs échanges entre les communes des intercommunalités ont été menés pour renforcer le dialogue, comme par exemple des échanges entre pairs. Aussi, la direction régionale de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de la région Étas a été associée à la réalisation et à la gestion des projets en apportant des formations, des outils ou aussi des documents d'orientation. Ainsi, le lien décentralisation et des concertations Le lien décentralisation et déconcentration a été amélioré. Finalement, le dialogue mairie, fontaine et habitants a été renforcé grâce aux structures de concertation qui étaient au cœur de la priorisation et du choix des projets. Et tout le monde a pu participer à la mise en œuvre des projets avec les organisations de la société civile. Merci. Pour aussi renforcer ces impacts, on a mis en place une expérimentation pilote
qui est de mettre en place une stratégie communale de gestion des infrastructures. Une méthode a été menée pour que les communes se dotent d'une telle stratégie. Plusieurs étapes ont été la stratégie ont constitué du coup cette expérimentation. Tout d'abord, les communes ont mis en place et ont élaboré un registre des infrastructures communales par l'identification de toutes les infrastructures qui existent sur leur territoire et aussi le plan d'entretien, s'il en existe un, de cette infrastructure. Ensuite, un diagnostic a été réalisé sur la gestion actuelle de leurs infrastructures, qui est du coup les infrastructures qui sont basées sur le registre. On a réalisé un diagnostic des capacités des services de la commune à gérer les infrastructures. On a sensibilisé les comités de gestion qui existent sur le code de l'eau, la place et les compétences de la commune en matière d'eau et d'assainissement. Ils ont réalisé une étude forces, faiblesses, opportunités, menaces sur la maîtrise d'ouvrage de la commune qui permet de définir les axes stratégiques et le plan d'action de la gestion EAH de la commune. Une cartographie participative du territoire pour identifier les zones, prioriser la spécification et l'existence ou l'existence d'accès en eau potable ou non et les modes de gestion existants. Finalement, tout ça a mené à la création d'une stratégie qui a été validée en conseil municipal. Une fois validée, du coup, la stratégie de gestion est mise en place par l'élaboration de fiches pratiques par zone, par la formation et l'outillage des comités de gestion, par l'élaboration d'un budget de maintenance d'infrastructures cohérent et réaliste, et aussi par la formalisation contractuelle du lien entre les comités de gestion et la commune. Et actuellement, ces stratégies sont en cours de mise en place dans les différentes communes. Donc, actuellement, le projet PAGLI est terminé. Il y a un accompagnement continu pour pouvoir assurer que les ouvrages sont bien gérés et aussi que cette stratégie est mise en place. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait, M. Hunou. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Nous sommes conscients, dans le cadre de l'équipe d'organisation de Cyclo et en particulier de ces conférences, la difficulté de l'exercice qu'on vous propose dans ces contextes, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. On essaye de partager le temps entre les différents témoins et différentes illustrations. Et évidemment, c'est un exercice compliqué que de nous faire une synthèse d'un projet sur lequel vous travaillez, de projets comme de cette ampleur sur lesquels vous travaillez au quotidien, et vous auriez certainement beaucoup plus de choses encore à nous dire. Mais nous pourrons en savoir plus pour celles et ceux que ça intéresse à travers les questions qui pourront vous concerner tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vous propose maintenant la présentation d'un outil en direct et en ligne qui nous est proposé par M. Guettier, donc conseiller de partenariat français pour l'eau. Un outil qui s'appelle Water for All SDGs, vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant, bien sûr, qui permet d'évaluer les impacts du volet eau d'un projet avec cette démonstration en direct. Je pense qu'on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit, M. Guettier. Merci. À vous tous et toutes d'être là ce matin. D'abord, je voudrais juste dire une chose. Personne ne l'a dit. Nous sommes le 22 mars. C'est la Journée mondiale de l'eau. Et donc, c'est tout à fait approprié d'être là ce matin, d'être aussi par certaines antennes à New York, puisque comme cela a été un petit peu dit tout à l'heure, il y a une importante conférence sur l'eau aux Nations Unies, aujourd'hui, demain et après-demain. À laquelle participe votre présidente, la présidente? Alors, voilà, justement, de votre donc je représente ici Marie-Hélène Aubert, qui est la présidente du Partenariat français pour l'eau. Le Partenariat français pour l'eau, c'est en fait la plateforme qui regroupe l'ensemble des acteurs français de l'eau qui travaillent à l'international. L'État, ses établissements publics, les collectivités, les parlementaires, les entreprises, les ONG, les chercheurs, les formateurs et les experts. C'est plus de 200 membres qui sont évidemment pour la plupart aujourd'hui à New York. Malheureusement, moi, j'ai choisi de venir, ou plutôt heureusement, j'ai choisi de venir à Bordeaux. Ne nous en plaindrons pas. Alors, j'ai un sujet ce matin qui est plus, comment dire, qui est transversal à tout ce qui a été dit depuis le début de cette conférence, et qui vise à faire en sorte que vos projets de coopération décentralisée soient durables, entre guillemets, soutenables, entre guillemets, et puissent obtenir des financements.
Et donc, pour ça, il faut être capable d'évaluer ces projets par rapport à un référentiel dont je vais vous parler tout de suite. Donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est, et vous allez essayer de répondre d'ailleurs, j'espère, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, c'est, est-ce que votre projet facilite le bien-être des populations et du vivant actuel, des populations et du vivant futur, sans ne laisser personne de côté? La question, c'est celle-là. Alors, ce matin, on a eu beaucoup d'interventions plutôt à caractère technique. On va rentrer dans la technique, mais on va dépasser surtout le sujet de l'eau. Alors, est-ce qu'il existe un référentiel mondial aujourd'hui qui permet de s'assurer qu'un projet dans le domaine de l'eau n'a pas d'impact négatif sur d'autres grands défis du monde? Eh bien oui, il existe un outil, c'est l'outil que je vais vous présenter, c'est Water for All SDGs, et le référentiel mondial qui a été utilisé, c'est celui de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. Alors c'est un programme des Nations Unies qui a été adopté en septembre 2015 par l'ensemble des pays de la planète, et donc qui se sont engagés à atteindre non pas 17 objectifs de développement durable, mais en fait 169 objectifs qui concernent les grands défis du monde, l'eau bien sûr, mais la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'alimentation, etc. Je ne rentre pas dans ces 17 grandes familles qui en fait sont toutes liées, puisqu'on ne peut pas séparer tous ces grands défis. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance, qui est la base de la vie sur Terre. Et donc, quand on s'attaque, si je puis dire, à des projets ou à des solutions, à des politiques qui concernent un domaine, nous sommes concernés par l'eau aujourd'hui, mais on pourrait dire la même chose si on était dans un cycle énergie ou dans un cycle alimentation. Tout se tient. Et donc, si tout se tient, les solutions doivent veiller à faire en sorte d'avoir des impacts positifs par rapport au sujet que l'on traite, mais sans avoir d'impact négatif sur d'autres grands sujets. Alors, c'est l'objet de ce que je vais vous présenter en ligne maintenant. Mais simplement, je vous montre cette petite photo qui résume bien la situation. Aujourd'hui, cette prise en compte de l'interdépendance, cette prise en compte des défis les uns avec les autres, elle est très peu utilisée dans le monde, sauf dans les pays en développement, pour différentes raisons. Dans nos pays, en tout cas en France, cette dimension-là, cette approche transversale, systémique, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est vraiment à la traîne. Nos politiques oublient très largement cette dimension. Et ça, c'est vraiment très embêtant, très dommageable. Alors, je vais vous présenter cette application. Alors, je vais passer maintenant sur une présentation en ligne. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je vous demande. Donc, l'application dont je vous parle, elle est en ligne, elle est d'accès gratuite, elle est en français et en anglais, et elle ne nécessite pas de connaître l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Vous devez connaître votre projet. Vous y accédez par waterforallsdgs.org. Donc, sur Google, j'ai tapé waterforallsdgs.org et je tombe sur la page de garde de l'application. Alors déjà, Water for All SDGs, c'est en anglais parce que c'est effectivement quelque chose qui est compris au niveau international. Ça veut dire clairement l'eau pour tous les objectifs de développement durable. Water for All SDGs. Donc on est sorti uniquement du secteur de l'eau. On est sur une ambition systémique transversale sur tous les grands défis du monde. Alors, donc, je rentre dans l'application, on me demande de démarrer, je démarre. Alors, il se trouve que moi, je suis déjà
je suis déjà intégré, j'ai un mot de passe. Donc, on va choisir un nouveau projet. Je rentre mon mot de passe. Vous pourrez rentrer, bien sûr, votre mot de passe à vous. Vous le créerez. Et vous arrivez sur une page qui vous demande de présenter votre projet. Alors, on va choisir, par exemple, eau dans un bidonville. Je le fais en direct. Au Kenya, par exemple. On me demande une référence, donc je peux mettre une référence par rapport pour ensuite retrouver mon projet. Je décris mon projet. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous allez intégrer une description de votre projet la plus fine possible pour ensuite avoir une évaluation la plus précise possible. Une fois que vous avez ça, vous validez. Mon projet a bien été créé et en cliquant ici, je vais pouvoir faire l'évaluation de ce projet. Alors, je voudrais profiter de cette intervention pour féliciter mon ami Gérard Payen, que vous connaissez peut-être, qui est le vice-président du Partenariat français pour l'eau, mais qui a été pendant 7 ou 8 ans conseiller du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et qui a contribué à l'élaboration de cet agenda 2030. Et Gérard a élaboré la méthodologie qui est derrière cet outil d'évaluation, et j'ai pu travailler pendant 2 ans avec lui pour approfondir ce travail. Alors, donc, je vais évaluer mon projet. Je vous montre juste comment ça fonctionne, hein. Donc, une fois que j'ai créé mon projet, je vais tomber sur des thèmes, sur une liste de thèmes qui est finalement assez importante, vous voyez, et je vais, en fonction du contenu de mon projet, m'arrêter sur les thèmes qui me paraissent importants et liés à mon projet. J'ai choisi un projet d'alimentation en eau potable dans un bidonville, donc évidemment, je vais cliquer sur le thème eau potable. Une fois que j'ai cliqué sur le thème eau potable, ce sera la même chose pour tous les thèmes, on me propose en fait des impacts potentiels de mon projet. Et c'est là toute la force de la méthodologie, c'est d'avoir identifié plus de 300 situations d'impact possibles de mon projet. Alors évidemment, avec un projet, les 300 situations ne sont pas concernées. Mais il va en avoir 10, 20, 30, 40, 50 en fonction du projet lui-même. Hein. Donc, par exemple, je prends, vous voyez, là, donc il y a tout un ensemble de situations, de 6-1, pardon, A1, A2, etc. Il y en a toute une série sur l'eau potable. C'est la même chose sur les autres thèmes. Donc, par exemple, on va prendre la première situation. Vue de façon positive, des personnes bénéficieront d'un nouvel accès à de l'eau potable gérée en toute sécurité ou des personnes perdront l'accès à l'eau potable gérée en toute sécurité. Il faut lire vraiment dans le détail chaque situation. Et vous avez la possibilité, avec un pop-up, de voir une définition plus précise. Alors, si on prend, par exemple, l'eau potable gérée en toute sécurité, ça veut dire quoi? Alors, attendez, il faut que j'arrive. Il faut peut-être rester dessus. Je crois qu'on voyait le texte s'afficher, voilà, avec votre souris dessus. Je pense que là, on le voit entièrement. Voilà. Alors, l'eau potable gérée en toute sécurité est mesurée par un indicateur, etc. Il n'est réalisé que si l'accès se fait à des sources améliorées, non partagées avec des animaux, en respectant 3 critères de non-contamination, donc contamination fécale ou au fluor ou à l'arsenic, de régularité d'accès au moins 12 heures par jour et d'accès à domicile ou à proximité immédiate. Oui, donc c'est très, très documenté, très précis et, voilà, et très exhaustif, puisque vous nous parliez de 300 propositions, j'imagine que ce passage en revue est particulièrement détaillé. Oui. Tout à fait. Et je vous invite à lire vraiment en détail les situations telles qu'elles sont décrites, en n'ayant pas peur d'aller sur les pop-up pour vraiment avoir toutes les dimensions précises de la situation qui est proposée.
Alors, une fois que vous avez fait ça, là, on le fait sur, ce, sur cette première situation qui s'appelle A1. Je clique sur la petite flèche sous A1 et je vois apparaître trois questions et une description. Première question, le sens de l'impact. Est-ce que mon projet a un impact positif, neutre ou un impact négatif par rapport à la situation? Alors, par exemple, je choisis un impact positif. Deuxième question, quelle est la population dont la situation va changer? Dans le cas présent, on va se situer au-dessus de 100 000 habitants. L'impact sera-t-il mesuré? Ce qui est une dimension très importante du suivi des projets. L'impact sera-t-il mesuré? On va dire, je ne sais pas, inconnu. Et ensuite, on me demande de décrire pourquoi en fait, j'ai répondu aux trois questions au-dessus comme cela. Donc là, je ne mets pas un texte, mais je réponds. Une fois que j'ai terminé, donc je passe en revue, on ne va pas le faire, hein, mais je passe en revue toutes les questions sur l'eau potable. Et à la fin des différentes questions sur l'eau potable, on me propose, vous voyez qu'il y en a beaucoup sur l'eau potable. C'est un véritable référentiel de formation, d'une certaine manière. Exactement. On apprend énormément de choses. J'enregistre. Donc j'enregistre ma réponse et ensuite, je vais aller sur les autres thèmes. Je ne le fais pas maintenant, mais... Oui, on a compris, bien sûr. Vous avez compris. Oui. Ensuite, ce qui est important là, c'est d'aller sur les résultats. Résultats. Alors, ce qui se passe, ça prend un petit peu de temps. Il y a une analyse objective des, parce qu'en fait, de la faisabilité, j'imagine, ou de la pertinence du projet. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? La méthodologie et l'intelligence artificielle qui est derrière ce système transforme vos informations... En recommandation ou en... En score, ouais, vous allez voir tout de suite. Mmh. En score par rapport aux différents objectifs de développement durable. Mmh. Alors, on va au résultat classé par objectif de développement durable et on va prendre la présentation sous forme de PDF. Vous pouvez l'échanger ensuite avec d'autres, etc. Hein. Alors, c'est pareil. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que ça mouline un peu. J'espère qu'il y a assez de... Je ne sais pas si ça avait... Oui, ça a été cliqué. Vous l'avez bien cliqué. Oui, oui, j'ai cliqué, ouais, mais il n'y a peut-être pas suffisamment d'Internet. Mais ce n'est pas grave, sinon je vais revenir à mon PowerPoint. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint. Oui, il nous reste juste quelques... Voilà, je reviens à mon PowerPoint. Encore une minute ou deux, hein, monsieur Guittier, juste pour information. Oui. Ouais, ça passe montrer. Très vite, ça passe très vite. Hein, mais on a encore des témoignages à entendre et je voudrais surtout qu'on préserve un peu de temps d'échange avec... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dépasser. Avec nos participants et nos invités. Alors, je vais aller justement sur une présentation. Voilà, vous l'avez. Voilà, quelque chose qui a déjà été analysé. Quelque chose qui a déjà été analysé. Voici le premier résultat que l'application donne. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose de très simple. C'est sous une forme de... C'est très visuel. Hein. Très visuel, très simple à comprendre. Vous avez à gauche l'ensemble des objectifs de développement durable, mm-hmm. avec un détail sur l'objectif de développement durable numéro 6, sur l'eau, et vous avez à droite des scores. Ou bien les scores sont positifs, bleus, ou bien les scores sont négatifs, rouges. Dans le cas présent, vous voyez que, et c'est ce qui se passe en général, il y a beaucoup plus de scores que l'on peut penser, ce qu'on avait pu penser au départ. Mmh. C'est-à-dire un projet dans le domaine de l'eau impacte beaucoup plus de sujets les seuls sujets eau. Ah, hein. Oui. Mais ça, c'est pour des scores positifs. On a un score négatif. Dans l'assainissement. Donc c'est là où la question commence. Que vais-je tirer de ça, de cette évaluation? Pourquoi mon score est négatif? Donc c'est l'objet ensuite d'un dialogue, d'une réflexion, pour comprendre pourquoi le score est négatif et pour comprendre pourquoi et comment améliorer son projet. Et amener des mesures correctives, quoi. Et oui. Amener les mesures collectives. Mmh. J'ai terminé. Et je vais poser une question à mon collègue Sébastien de l'Agence de l'eau à Dur-Garonne, puisque cette application a été bâtie avec le soutien financier des agences de l'eau et technique, soutien financier et technique. Et aujourd'hui, cette application commence à être utilisée par les agences de l'eau, justement, pour évaluer les projets de coopération décentralisée qui sont soumis
au financement de l'agence ou des agences. Sébastien, où en êtes-vous sur l'utilisation de cette application, justement, dans les agences de l'eau et en particulier à l'agence de l'eau à Dur-Garonne ? Merci, M. Guettier. Alors, juste en 30 secondes pour ne pas empiéter. Du coup, moi, j'avais été l'une des premières personnes au nom des agences à tester l'application il y a plus d'un an de ça. Et aujourd'hui, l'idée, alors, c'est pas de rendre l'évaluation obligatoire pour le dépôt et l'instruction des dossiers, mais peut-être d'inciter les porteurs à l'utiliser, à dresser un bilan de l'impact ODD de leur projet avec. Peut-être bonifier leur proposition, leur projet. Voilà. Ouais. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement, alors c'est le seul outil à mon avis où vous pouvez avoir l'impact négatif des ODD, enfin sur les ODD, parce que généralement on est vraiment sur l'apport positif. Et donc là, ça permet de mettre une nuance. Et aussi, ça permet même au porteur, quand il fait son examen, de voir des choses auxquelles il a pas pensé, puisque l'outil du coup est vraiment très détaillé. Donc le but là, à moyen terme, c'est de pouvoir intégrer d'une manière ou d'une autre cet outil dans l'analyse des dossiers. Oui. Très bien, merci beaucoup. On peut imaginer qu'effectivement, même si ça n'est qu'incitatif, cela peut éclairer un certain nombre de porteurs de projets sur... des finalités qu'ils n'avaient pas envisagées ou sur des effets contradictoires, etc. On comprend bien l'intérêt de l'application pour laquelle j'avoue découvrir toute la pertinence à travers l'exhaustivité qu'elle permet en fait dans l'ensemble de ce type de projet. Sur l'ensemble du projet, il y a énormément de leviers qui peuvent avoir une influence dans un sens ou dans l'autre. Vous confirmez ? Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Monsieur Guettier. Merci, Monsieur Philodeau. Il nous reste à entendre, avant de vous passer la parole depuis la salle, vous qui êtes présent, enfin la salle de cet espace conférence, si vous avez des questions, une ou deux questions à l'attention de l'un ou l'autre de nos intervenants, je voudrais écouter en quelques mots, vous proposer d'écouter en quelques mots deux ultimes invités pour cette table ronde, à savoir Marine Borsato, qui est chargée de mission accompagnement des collectivités territoriales à SOC Opération, et Jérémy Guérin, chargé de mission antenne de Bordeaux pour PS. Ces deux structures qui ont déjà été largement citées et pour lesquelles vous allez nous dire, pour terminer, pour parachever ce tour d'horizon ensemble, ce qu'il en est de vos structures respectives. Oui, bonjour. Je vais aller très très vite. Donc Marine Borsato de SOC Opération. SOC Opération donc, est une association, un réseau multi-acteurs, un réseau régional donc, sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Le but de ce coopération, c'est d'identifier l'ensemble des structures qui travaillent sur la Nouvelle-Aquitaine en coopération décentralisée ou en solidarité internationale et qui travaillent sur ces thématiques-là, donc par exemple sur l'éducation à la citoyenneté également sur notre territoire. Le but aussi est de renforcer les capacités des acteurs par des formations, par des guides aussi ou des revues thématiques, notamment ici, vous aurez l'occasion de le voir dans notre espace juste un peu plus loin. Notre but aussi, donc, comme disait Madame Papin, est d'accompagner les structures, notamment là sur les 1%, d'accompagner donc les collectivités qui font des appels à projets. On est toujours en lien avec PSO aussi, donc on aide les collectivités, mais aussi les structures qui veulent répondre aux appels à projets des collectivités sur les 1%, et on essaye de valoriser et d'informer les structures sur ces mécanismes-là. Voilà, à peu près. Bonjour, moi c'est Jérémy Guérin, je vais aller très rapidement sur la présentation du PSO. Donc on est un réseau multi-acteurs français qui promeut l'accès à l'eau potable et à l'assainissement d'une manière durable dans les pays en voie de développement. Donc voilà, on fait pas mal d'accompagnement. Donc on va représenter le PSO sous coopération d'ici une demi-heure. Donc moi je vous invite à venir sur le village de la coopération internationale, où on a un stand qu'on pilote avec SOC Opération, PSO, Initiative Développement Hydraulique Sans Frontières.
On va avoir pas mal de présentations aussi durant ces deux jours. Et je tiens à remercier donc aux associations qui vont se présenter pour présenter leur projet aujourd'hui, qui vont être donc Amitié France-Madagascar, ASLAV et ACAFI. Et demain, nous aurons Pompiers solidaires, Électriciens sans frontières, APV Togo et ADRAR une goutte d'eau. Je vous invite aussi à voir à l'extérieur l'unité de potabilisation de l'association Pompiers solidaires. Et donc voilà, on est présent pendant deux jours sur l'espace. Et si vous avez des questions, que vous soyez des associations, des syndicats des eaux, des collectivités, si vous voulez vous impliquer dans la coopération internationale, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Merci à vous pour ces présentations. Merci pour votre engagement et votre présence à l'occasion de cette édition de Cyclo, votre présence physique. Comme cela n'avait pas été le cas depuis plusieurs années pour celles et ceux qui ont déjà contribué ou participé à une édition de Cyclo à Bordeaux qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans. Voilà, c'est le plaisir de se retrouver aussi à cette occasion et de rencontrer du monde à travers les différents stands comme ceux qui viennent de vous être présentés. Alors, il nous reste vraiment très peu de temps, mais peut-être le temps nécessaire pour une ou deux questions de votre part, si tel est le cas. Il n'y a évidemment aucune obligation à poser des questions à ce stade, mais comme je vous l'ai promis, je vous propose de vous exprimer si vous le souhaitez ou d'interroger. Monsieur, merci pour votre question. Je vous laisse juste vous présenter pour qu'on puisse vous situer et nous dire à qui s'adresse votre question notamment. Oui, bonjour à toutes et à tous. Yves Cochet, je suis directeur général du syndicat des eaux de la Vienne à Poitiers. Donc, je repère quelques collègues avec lesquels notre syndicat collabore déjà. On a beaucoup parlé investissement et participation aux investissements pour des opérations qui se réalisent dans les pays du Sud. On a parlé un peu de gestion et donc d'infrastructures pour permettre la gestion de ces infrastructures, mais on parle peu du paiement du service à la fin. Et je voulais savoir où est-ce que ça en était, qui paye en France, l'eau paye l'eau. Donc on voit que sur les investissements, c'est largement aidé, mais n'empêche, il y a quand même un coût résiduel pour les collectivités. L'exploitation, ça coûte aussi, je peux en parler pour être exploitant moi-même d'un service d'eau. Et du coup, la question que je voudrais poser collectivement, c'est qu'en est-il en fait du paiement du service in fine ? Est-ce que c'est un service gratuit qui est apporté aux populations parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'aller au-delà sur ce sujet-là ? Ou est-ce que le modèle de la France, l'eau paye l'eau, se met en place progressivement avec est transposable. Et est-ce qu'il a une comment alors, vous voyez le paiement du service, parce qu'à la fin ça coûte toujours quelque chose, il y a bien quelqu'un qui paye. Ah, vous avez dit que c'était une question collective, mais chacun ne pourra pas répondre. Je sais pas qui, monsieur Hinault, vous voulez réagir à ça? Allez-y, moi je vous en prie, hein, l'un et l'autre, un petit mot là-dessus. Je peux commencer. Allez-y. Donc généralement il y a deux modèles, puisqu'il y a le branchement on va dire collectif, notamment via des bornes fontaines, lorsque l'adduction à l'eau potable ne va pas jusqu'au ménage. Et parfois, il peut aussi y avoir le branchement privé, lorsque la commune est un peu plus développée, où là, du coup, le branchement va aller directement dans le ménage. Lorsqu'il n'y a pas de branchement privé, lorsqu'il y a une borne fontaine, ça va être plutôt l'usager qui va payer à une association d'usagers de l'eau. C'est-à-dire qu'il va aller à une borne fontaine, il va prendre 5 litres, 10 litres, 15 litres, et il va payer 500 francs, 600 francs, 100 litres d'eau. Et lorsqu'il y a un branchement privé, dans les communes un peu plus développées, 50 000, 100 000 habitants, on peut imaginer une redevance, du coup payer soit la commune, soit une institution nationale, ça dépend aussi de la taille de la structure. Merci. Oui, monsieur, si vous voulez ajouter quelque chose, oui, en prie. Juste pour illustrer, nous, au niveau de comment nous on a fait, la difficulté déjà, c'est d'assurer l'entretien des installations. Et donc pour l'entretien des installations, nous, on a intégré dans le financement de projet l'entretien de la première année. Donc l'entreprise qui a réalisé le projet va. Mais en même temps, nous avons mis en place un système de paiement. Donc les populations vont payer pour utiliser le forage un peu. Bon, bien sûr, c'est proportionné aussi à leurs moyens financiers. Donc un paiement qui permet donc de thésauriser et d'avoir un fonds assurer après l'entretien des installations. Des installations, pour au moins un minimum pour le fonctionnement. Merci. Monsieur Guérin, un mot complémentaire ? Juste pour ajouter, dans l'imaginaire aussi, on voit beaucoup de projets, notamment d'accès à l'eau en Afrique, et c'est beaucoup des projets portés par des ONG urgentistes
qui agissent dans des zones de conflit. Et là, c'est vrai qu'on va apporter de l'eau de façon gratuite parce qu'on doit sauver des vies, etc. Quand on parle de projet de coopération et de développement, on est vraiment dans la mise en place d'un service d'eau et on vise la pérennité des projets. Donc, en effet, la question du paiement est primordiale et doit être discutée dès l'amont, dès l'écriture du projet avec les populations pour voir si c'est accepté. Et bien que les crises, maintenant on voit que les crises s'installent, notamment au Sahel, et on essaye, enfin les acteurs urgentistes et ceux du développement essayent de sortir un peu des silos pour proposer des projets pour permettre le maintien des services d'eau. On peut citer le Burkina Faso, notamment Solidarité Internationale qui travaille avec l'ONEA et le GRET, notamment pour, malgré la crise, essayer à ce que le service se maintienne tout en répondant à des urgences. Donc on tend vers ce genre d'approche aussi. Merci messieurs pour cette question et merci aux répondants pour ces précisions, ces réponses très circonstanciées. Monsieur, on vous passe le micro également pour une question suivante. Je vous laisse également vous présenter si vous le voulez bien. Oui, bonjour, Serge Broc, Association Unigaïa. Voilà, nous sommes... Parlez bien plus près du micro, s'il vous plaît. Nous sommes porteurs d'un projet sur le Bénin, en matière de traitement de l'eau du lac Nkoué dans la commune de Soava. Il y a une cité lacustre où il y a plus de 100 000 habitants et dont 25% seulement ont accès à l'eau potable. Et donc, nous essayons d'implanter là-bas une méthode que nous avons mise au point en France, ce sont des micro-unités de production d'eau, en réalité, avec solaire. Alors, nous sommes nouveaux dans ce domaine de la coopération, parce que pour l'instant, on n'avait pas encore monté de projet. Et je dois dire que c'est passionnant d'entendre tout le monde, mais c'est un travail à plein temps de savoir à qui s'adresser d'une certaine façon. Alors, voilà. Alors, ouais. Nous sommes membres de son coopération. Nous avons répondu au questionnaire là, du partenariat français de l'eau, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants. Donc, la porte d'entrée est-elle sous coopération et puis après, voilà. Enfin, oui, alors quel est le meilleur guichet unique si on peut peu qu'il existe. Voilà. Marine Bonsato. Oui, alors bon, je vous comprends. Alors, il n'y a pas forcément de guichet unique puisqu'on travaille tous ensemble. On est tous complémentaires. Donc, c'est sûr, voilà, l'entrée peut être par coopération et après d'être redirigé vers des partenaires. Est-ce qu'on peut dire, pardonnez-moi, si vous êtes sollicité l'un ou l'autre, que forcément les autres vont être informés? Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Madame Papin aussi l'expliquait. S'il y a des associations qui vont voir Bordeaux Métropole, ça vous remontera à jour ou l'autre d'une certaine façon. Avec PSO, on travaille aussi vraiment de concert les deux structures ensemble. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler et de faire circuler l'information. Voilà. Merci monsieur pour cette question. Alors c'est l'occasion de découvrir ensemble que justement à l'occasion de cette conférence que s'il n'existe pas de guichet unique, il y a quand même une forte cohérence et une forte proximité entre les différents acteurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Encore une question, une toute dernière question. Madame Papin, je vous en prie. Je voudrais juste réagir parce que c'est effectivement un sujet qui revient régulièrement, cette problématique. J'en suis bien consciente pour les associations d'avoir plusieurs portes d'entrée, d'avoir des formulaires, des appels à projets multiples pour lesquels effectivement il faut monter des dossiers. C'est compliqué, mais comme ça a pu être dit, on travaille quand même en une très bonne coordination avec l'Agence de l'eau. L'instruction qui est opérée au niveau de Bordeaux Métropole, c'est une instruction ensuite qui est totalement partagée avec l'Agence de l'eau. Donc il y a quand même une vraie cohérence dans l'analyse des dossiers, ce qui permet pour les porteurs de projets, je crois, d'avoir quand même une lisibilité sur l'issue du projet qu'ils déposent dans le cadre de notre appel à projet. Merci beaucoup pour ce complément. Je pense qu'on va pouvoir terminer cette conférence dans un instant, si vous en êtes d'accord. J'avais juste une dernière question pour M. Philodeau. Suite à votre présentation tout à l'heure, vous avez évoqué largement le 9e forum de l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut attendre du prochain, le 10e? Qu'est-ce qui peut y être discuté avec l'évolution de l'actualité, des tendances? Est-ce qu'on connaît déjà l'agenda de ce 10e forum? Alors, l'agenda, non, on ne le connaît pas. Les premières réunions du coup, de préparation ont lieu dans les prochains mois. Mm-hmm. Par contre, du coup, ce qu'on peut espérer, c'est déjà l'organisation d'un nouveau segment des bassins. J'en parlais.
ce qui fait un peu peur, on va dire, pour nous, acteurs français, c'est le thème du forum, puisque ça sera l'eau pour le développement économique. Mm-hmm. Et ce qui fait craindre par rapport au forum de Dakar, c'est que là, on risque d'être vraiment sur un forum où l'eau sera présentée comme une marchandise et non pas comme un bien commun ou comme un droit. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, la dualité de l'approche entre l'approche française d'un côté et l'approche plutôt anglo-saxonne de l'autre. Et pour le coup, là, c'est deux visions de l'eau qui sont assez différentes. Mais, Monsieur Guettier, vous semblez avoir un avis ou une info sur ce sujet ? Non, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, ce forum qui se tient en Asie va être aussi très orienté sur les questions de résilience et notamment les questions liées aux événements extrêmes qui sont dus au changement climatique, au moins en partie, parce que l'Asie est évidemment très, très concernée. Mm-hmm. Et donc, nos amis indonésiens vont mettre un accent très fort sur cette question. Qui les préoccupe, bien évidemment, au premier chef, comme on le sait. Comme d'autres pays, tout à fait. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour ces informations très, très complémentaires, encore une fois, qui donnent vraiment le sentiment que les choses sont en marche et qu'il y a beaucoup de cohérence dans vos actions respectives. Merci à vous qui êtes présents parmi nous à l'occasion de cette conférence. Je vais vous proposer dans un instant de remercier nos intervenants, non sans vous avoir invité à la prochaine conférence qui démarrera à 11h30, qui est consacrée à l'accès social et équitable à l'eau. Autre sujet peut-être connexe. En tout cas interdépendants, quels outils de tarification, là on évidemment parlera plutôt au niveau national et régional Nouvelle-Aquitaine, vous êtes conviés évidemment si cela vous concerne et vous intéresse. Et donc je vous propose pour terminer de bien vouloir remercier nos intervenants par quelques applaudissements et merci encore à vous. 3, 2, 1.